comment accéder à un mur collaboratif qu'a partagé avec moi un de mes professeurs. Tout d'abord, je vais me rendre sur la page d'accueil de l'ENT de l'Oise. Puis, je vais cliquer sur le bouton « Je me connecte à l'ENT ». Je vais ensuite choisir mon profil. Dans cet exemple, je suis un élève en collège dans l'Oise. Puis, je clique sur « Se connecter ». Je vais maintenant saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe que m'ont fourni le principal ou le principal adjoint de mon établissement. Puis je clique sur « Valider ». Me voici connecté maintenant à mon espace personnel sur l'environnement numérique de travail de mon établissement. Je vais donc cliquer maintenant sur le bouton « Mes applis ». Je vois ici apparaître toutes les applis qui sont mises à ma disposition pour travailler dans cette ENT. Je vais donc sélectionner l'appli Mur collaboratif. Je vois ici apparaître soit les murs collaboratifs que j'ai créés, soit les murs collaboratifs qui ont été mis à ma disposition. Dans le cas présent, je m'aperçois que mon professeur de technologie a partagé avec moi un mur collaboratif. Pour l'ouvrir, c'est très simple, je vais cliquer sur son titre. Ce mur collaboratif comprend différentes ressources. Dans cet exemple, mon professeur a partagé avec moi des pièces jointes. En l'occurrence, il s'agit de correction d'activité, une vidéo, mais également des liens vers des sites internet pour m'entraîner.